Il y a parmi nous de puissants dieux. Depuis les sphères célestes, Zeus écrase tous ceux qui s'opposent à sa domination. Il y eut une époque où l'hydre infâme dévastait la Terre. Mais la Terre avait déjà un maître. Zeus ne pouvait tolérer cette rébellion. C'est ainsi qu'il libéra sa colère dans toute sa puissance. Et quand la bataille fut terminée, un gigantesque brasier consumait la Terre. Le feu s'étendait rapidement, laissant derrière lui des contrées noires et stériles. Rien ne pouvait tuer l'immortel brasier. C'est ainsi que Zeus entreprit de piéger les flammes sous une immense montagne. Depuis ce jour, les braises ardentes témoignent des colères passées. C'est sur les cendres d'une épique bataille que s'est créée notre cité. À présent, les enfants de Zeus, Athéna, Apollon, Arès et leurs frères mènent leur propre guerre, et nous, pauvres mortels, sommes pris entre deux feux. C'est dans cet univers que Zeus exerce sans partage son règne sur les divins et les mortels. Bonjour, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série sur la chaîne Zeus, le maître de l'Olympe. Une nouvelle série sur laquelle on va se faire un grand plaisir, toujours en attendant la sortie, j'espère imminente, de Pharaon A New Area qui est prévue sur le premier trimestre 2023. Donc nous y sommes très bientôt. Mais en attendant, je vous fais ce petit plaisir avec ce petit jeu-là. Il est en libre accès, du moins il y a une communauté française qui a créé une version open source. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à l'installer et à vous faire plaisir. Nous, pendant ce temps-là, on va faire une petite partie en mode bac à sable. On va essayer de croître un peu comme on avait fait dans la série avec Kaiser 3. Mais là, on va essayer d'aller plus loin parce qu'ici, il y a des temples, des gros temples à faire et on va essayer de se faire ça correctement. C'est parti, on se retrouve dans le menu. Le scénario sera choisi bien évidemment en mode bac à sable. On ne veut rien faire d'autre que de se faire plaisir. Si vous souhaitez que je fasse un scénario bien plus précis ou même qu'on se déroule tous les scénarios, n'hésitez pas à me le dire. Mais je serais plutôt tenté de faire un simple bac à sable durant lequel on va essayer de faire le maximum, la plus grande ville, le plus grand plaisir qu'on peut faire bien évidemment. On lance la partie. Jeu ouvert bien évidemment. Presque tous les dieux ont contribué à faire, alors là ça c'est un A, à faire du territoire d'Olympe un lieu parfait. Déméter a rendu la terre fertile pour que les élevages et les fermes puissent se développer. Athéna et Dionysos s'assurent que le sol est excellent pour les olives et les vignes. Artémis a lâché quelques-uns de ses sangliers et Poséidon a rempli les étendues d'eau de poissons. Même Hadès a contribué à la perfection de ce territoire en le dotant de gisements de valeur. Vous êtes le mortel le plus chanceux qui soit pour pouvoir établir un site ou une cité sur ce territoire. Bon, quelques petits soucis d'accent potentiellement, mais bon, ce n'est pas bien grave. On va se lancer donc dans ce mode bac à sable. On rejoint la partie. Voilà, directement, nous voici, nous voilà. Sage Cyril, parce que oui, je m'appelle Cyril, je baisse un petit peu le son. Sage Cyril, vous êtes dans l'incapacité d'accepter mon tribut de 4 amphores de 20. Moi, Colontas, chef de la cité d'Élide, je vais reprendre les 4 amphores de 20 et m'en retourner dans ma cité. Ça, c'est normal parce qu'on n'a pas d'entrepôt. Donc, bien évidemment, nous sommes dans la même mécanique de jeu que, comment il s'appelle, que Kaiser 3, bien évidemment. J'ai trouvé un petit mode qui permet de mettre en mode...
Alors Full HD, j'ai mis en 1080p pour être tenable. J'avais mis en 2K par rapport à mon écran, bah ça donnait pas très très bien. Et voilà, mon peuple se porte bien, en même temps on a personne. La carte est assez grande, vous voyez. Il y a des loups, des sangliers, Il y a ici, ça c'est quoi? C'est juste pas grand chose. Là je sais qu'il y a du cuivre ici, il y a du cuivre en haut aussi. Il y a la route de la carte qui arrive ici, tranquillement, à un énorme endroit de fertilité. Alors attendez, hop, un petit réglage, on va régler le son. Toc 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 toc, ambiance. Voilà, pour essayer de péter les oreilles. Là on a une petite coin de fertilité, mais c'est tout petit. Et le plus gros reste ici. On a le choix, là on a potentiellement aussi point sky à faire. On a accès à tous les bâtiments. Il faut qu'on détermine le meilleur lieu. Alors de base on pourrait se dire on se met là. C'est pas bête. Là ça risque d'être trop petit. Vu qu'on aura besoin de bois et tout ça. La seule chose c'est si on a du marbre. Je sais pas si là on peut cueillir du marbre. Carrière, ouais ça c'est bien du marbre. Le marbre se trouve là. Là on aura besoin des ressources. Donc on va se développer autour de cette prairie là. On a un énorme emplacement ici. Donc on va essayer de se développer ici. Ouais. Donc bien évidemment les mêmes mécaniques que dans Kaiser 3 et Pharaon, parce qu'en même temps c'est le même éditeur, hein, ça reste toujours Sierra. À part qu'il y a beaucoup plus de mécaniques dans celui-ci, avec notamment des Jeux Olympiques. Illustre Cyril, nous aurions pu être concurrents, malheureusement la gloire ne sera pas pour nous cette année, notre cité ne disposant d'aucun participant capable de rendre part aux Jeux Olympiques. On n'en fera pas partie. Nous sommes à moins 1000. Nous sommes à 1000 avant Jésus-Christ. Bien évidemment, on va commencer tranquillement la construction des premiers logements. Donc, les mécaniques de jeu, moi, je les ai retrouvées. Alors, je n'avais jamais joué à ce jeu-là avant aujourd'hui, on va dire, avant ce premier épisode. Si je me suis entraîné avant, mais pas forcément avant ce premier épisode que je vous propose là. Donc je pense que voilà, Kaiser 3 j'avais un tout petit peu joué, Pharaon j'ai beaucoup joué, j'espère qu'on va faire une partie qui vaudra le coup, on va essayer de faire un truc propre dès le début, ce qu'on n'avait pas forcément fait de bien durant la série Kaiser 3 au tout début. Là j'ai fait une petite série, un petit off dans mon coin et ça avait l'air de tenir la route, on va espérer que ça soit la même chose ici. On va directement lancer de la production qui va bien. On va se mettre là. On va lancer les premiers trucs ici. On a bien sûr des messages qui vont tomber au fur et à mesure. Honorable Cyril, votre cité a besoin de plus d'ouvriers. Si les postes ne sont pas pourvus, les services en question pourraient en souffrir, bien évidemment. Alors ça, c'est les usines qui recrutent. Ça, c'est les Jeux Olympiques. Et ça, c'est le versement d'attributs qu'on n'a pas pu être satisfait. Pour répondre au problème de tribu, on va nous solliciter souvent sur ça. On va mettre directement ce petit truc là et ça pas encore. Alors, contrairement à Kaiser 3, la production de ressources est beaucoup plus lente. C'est beaucoup plus long en termes de production de ressources en tant que tel. Réellement, c'est un peu insupportable même, je vous dirais. Mais ça se fait. Donc on va faire, de toute façon les mécaniques, on va essayer, on sait comment on a fait dans l'autre série. On va faire la même chose ici en termes de mécanique de jeu. On va tenter de résoudre ça. Donc on a deux types de logements, modeste et, comment ça s'appelle? Modeste et luxueuse. Pour l'instant, alors je crois qu'on peut même avoir encore un niveau au-dessus, mais il n'est pas apparent. On le verra par la suite. On essaiera de satisfaire bien sûr à tous ces besoins-là, organiser les maisons comme il faut, etc. etc. Là pour l'instant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la nourriture, donc il faut une agora. L'agora étant une place de marché ou quelque chose comme ça, qui va permettre de contenir un certain nombre de ressources. Là, on va un petit peu dépasser. Notre village atteint 100 de population, déjà c'est tellement rapide. On s'était un petit peu esclaffé lorsqu'on avait eu de la population qui était venue dans l'autre partie. Voilà. Là, de toute façon, on va mettre un agora ici, un agora là, qui pourrait rayonner sur les trois. Là, il nous donne de l'amphore de vin. Donc ça, c'est bien évidemment
une de nos cités qui nous sont alliées, j'imagine. Ça doit être nous sommes Olympe, à première vue, tant mieux. Notre cité, c'est Olympie, voilà, plus exactement, pardon, pas Olympe, Olympie. On a une petite, quelques villes, Élide, c'est celui qui nous donne du vin, voilà. Et puis il y en a d'autres où il faudra qu'on travaille, on va dire, notre bonjour, relation. Bonjour, chère âme. Voilà, donc là, c'est qui? C'est Aphrodite. Personne ne voudra quitter l'enceinte. Voilà, si on arrive à la satisfaire, bien sûr, elle nous donnera tout ça. Donc, Zeus fait venir les dieux, parce qu'on n'a pas dans Kaiser, on n'a pas l'apparition en tant que telle des dieux. Là, on les a. Voilà, donc il y a toute une panoplie de dieux grecs que vous connaissez, que vous avez appris à l'école primaire et pour lesquels vous fantasmez peut-être. Alors, fantasmez, quand je dis ça, c'est l'histoire qui en est derrière, qui reste très intéressante. Moi, je suis assez fanat de tout ce qui est mythologie, même si j'ai pas une grosse culture dessus, ça reste très passionnant de voir comment la culture ou les légendes égyptiennes, grecques et tout ce qui est aussi romaine, voilà, même viking, hein, bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos sur ma chaîne. Mais voilà. Donc là, on va préparer l'agora, même si on n'est pas dans le besoin. Est-ce que je ferai? Ouais. Le but de l'agora, on va faire une petite route en plus. On va essayer de faire un truc qui se veut propre. Alors, je pense qu'on va juste être embêté par l'agora qui va. C'est bon. Donc l'agora, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a. On détermine une place et après sur la place on y détermine des marchands. Voilà. Donc là on en met deux, c'est peut-être beaucoup, mais les deux vont peut-être aller un peu plus loin. On verra un peu si on étend un tout petit peu plus loin. Je pense que même on pourrait le faire dès à présent. Du genre, alors qu'on se fasse champriner bien sûr. Voilà. Avant qu'on se fasse champriner, ça va faire monter la population. Voilà. Nous sommes déjà à 240. Oh, ça monte tellement vite. Qui n'est pas gênant. J'ai pas lu le message. Les jeux ismic. Donc oui, il y a différents types de jeux qui apparaissent. Les jeux olympiques qui sont réservés aux sportifs. Il y a aussi des jeux pour les philosophes. Il y a des jeux pour des acteurs. C'est des mécaniques donc, qui apparaissent en plus avec ce jeu. C'est pas plus mal. Ça va rajouter pas mal d'attraits. Ça reste dans ce mode bac à sable, je pense que ça va être assez facile d'avoir tout ce qu'il faut. Bon, sauf que là, il suffit de parler pour se faire avoir. Les maintenant sont dans ici avec une petite route qui va là. Voilà. J'ai pas mis de grenier. J'ai pas mis de grenier. Voilà. Bon, c'est fait avoir, hein, on commence bien. Alors, contrairement à Kaiser 3, où à chaque fois qu'on avait un bâtiment qui cramait, il fallait le reconstruire, là, quand il crame, ça se reconstruit tout seul. Bon, faut encore qu'on y arrive. On va mettre aussitôt un bonjour, deuxième. Chère âme. Donc là, c'est comme tout à l'heure, bien sûr. Personne ne voudra quitter l'enceinte de la cité. Toi ici, même si j'ai peur que tu passes pas au bon endroit. Oh, on est embêté de partout. Bon, je dis ça, mais en fait, je croyais que les constructions se repétaient tout seul, mais non, en fait. Donc ça, toi, t'es pété parce que machin, mais tu m'as quand même donné un morceau. Bon, ben, vous voyez comment je gère bien dès le début, hein. Oh là là, que ça marche bien. Je vous dis un truc, il se passe tout le contraire. Bon, voilà, le but étant de faire beaucoup de tous les temples qu'on peut, voir si on arrive à choper toutes les ressources qui vont bien. Allez, dépêche-toi à faire celui-là. Puis après on va construire ça. Voilà. Et là, la seule chose qui ne va pas, c'est que la route elle n'est pas là où je souhaite. Je te dégage ici. Tu dois pouvoir avancer jusque ça et donc partir là-bas. Voilà. Donc là, oui, il y a bien eu un bâtiment qui a été cramé, qui a été rattrapé juste à temps et ça a permis d'éviter de perdre tout.
plante un tout petit peu de machin. La cité a détruit tout ça. Bon, on aura plein de messages. Exactement les mêmes mécaniques. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez été, un adepte de ce jeu-là quand dans votre tendre jeunesse. Moi, je vous l'avoue, je n'ai jamais joué à ce jeu-là avant que je m'y mette il y a peu de temps. Voilà, pour vous présenter cette série. Donc, les mécaniques, on les connaît. Les aspects sont un tout petit peu dérivés parce qu'on passe de la Rome antique à la Grèce antique. Et après, on ira vers les Égyptiens lorsque cela nous sera proposé avec, bien sûr, la sortie du jeu remasterisé de Pharaon New Area. Donc, on attend bien sûr sa sortie pour pouvoir faire la suite. Notre population souffre. Alors, c'est où qu'on a l'écran? Non, ça, c'est la nourriture. Je sais plus où est l'écran qui nous explique le détail de là où nous en sommes. Non. J'ai vu qu'il y avait... Célébrez-moi. Donc là, c'est Hadès. Car je suis le terrible Hadès. Et votre cité brillera de mille feux. Ah, putain, il y a des baraques. J'avais un doute que si je les avais ou pas. Hop là, ben oui. Quand j'avais fait ma petite partie de test, je les avais pas trouvées, les petits barrages routiers. Ça va éviter de partir trop loin et d'optimiser certains trajets. Ça, c'est bien. Habitation infectée. Pourquoi il y a ça, dis donc? La peste a frappé, la peste fait rage dans la cité. Mais à ce que vous avez assez de à manger et puisse consulter des médecins. Oh, ça commence mal, va, dis donc. Début de partie plutôt sportif, peut-être. Voilà, on va y mettre une fontaine. Tac, on va y mettre. On va vérifier après voir l'hygiène, comment ça se passe. Voilà. Donc on va y mettre potentiellement, je veux juste voir jusqu'où il part. Donc ça c'est des écrans que j'avais pas forcément utilisé lorsqu'on était en mode Kaiser 3. Là on va bien les utiliser et tenter de faire quelque chose de propre. Les jeux Néméens, voilà, ne possède aucun participant, il faut des gymnases et tout ça, pas de problème. Hop là, on va mettre l'eau aussi, et espérer qu'on arrive à rayonner partout. L'hygiène est très bonne et s'améliore, c'est parfait, l'eau est à peu près partout, j'espère que là ils vont pouvoir descendre ou autre, voilà, parfait. Ça le faire, il va nous falloir, j'ai pas lu le message, population de 500, ok. On va doubler la production de nourriture, bien évidemment. On va même la tripler. Hop là. On va essayer d'optimiser tout ça, de faire le mieux qu'on peut pour y arriver. La distribution de nourriture se fera de manière plus simple que dans Kaiser 3 où c'était assez galère. Là, je considère qu'on est plutôt bien. Toi, tu as besoin d'eau et l'eau, elle est à proximité. Et là, tu as besoin de culture, directement un peu de culture. Donc, les cultures, il va nous falloir. Alors, c'est pas le plus optimal, mais on va faire avec. Donc, on va faire un collège qui va se mettre potentiellement ici. J'ai envie de vous dire, ça alimentera potentiellement les deux. On en mettra potentiellement aussi de l'autre côté. Ça va être bien. Les réserves sont faites, bien sûr. Non, là, il nous dit pas. Ah, oh, je sais plus comment on va dans les écrans. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artémiste. Et mes nymphes traqueront vos ennemis. Pas dégage. J'enverrai deux d'entre elles défendre votre ville. Voilà, donc là, il y a tous les dieux qui arrivent à notre cité. Voilà, elle arrive là-bas. Pas de soucis pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Donc elle est là. Donc c'est un petit peu cartoonesque, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous y aviez eu des soucis lorsque vous avez joué à ce jeu-là dans votre jeunesse. Moi, j'espère qu'on va pas en avoir ici. Alors, je ne sais pas à quoi ils servent les temples. Pas les temples, les... le guilde de machin. Oh, je veux juste voir à quoi ils servent.
Oui, il va servir, lui, peut-être, à faire d'autres types de constructions, peut-être. Il est prêt à contribuer à n'importe quel projet de la cité. Ah, d'accord, c'est pour des projets. Ok, donc on en a pas besoin. Ça, c'est comme dans Pharaon. Kaiser 3, il n'y avait pas, mais dans Pharaon, il y avait. Tac, tac, tac. La nourriture, j'espère que ça va monter. Regardez, c'est vachement plus long. On a fait déjà 2 années, donc j'ai l'impression que c'est bien. Chaque année, on aura droit à notre lot de nourriture. Là, on va refuser parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais ça ne nous sert à rien. Alors, s'il y a un truc que je vais faire quand même, c'est que toi, tu as besoin de bois. Et on va... on n'a pas de poste de commerce. Ok. On va faire un poste de commerce. On va le trouver où, le commerce? Commerce vers Elide. Voilà, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Si toi je te mets... Il faut qu'on fasse des routes ou des choses assez optimisées pour éviter que ça nous casse les pieds. Tac 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 tac. Je pense qu'il va avoir besoin de personne. On va vendre ça. Et si je vends ça, il va me falloir une scierie. Vu qu'on a du bois à côté. L'avantage aussi, c'est que là, on peut mettre les bâtiments loin de tout ce qu'il y a. Et les mettre loin va nous permettre, grâce à la proximité de la population, de profiter de tout ce qui est maintenance et autres, etc., etc. Après, on va voir s'il faut que je déplace mon... Je suis Athéna. Célébrez-moi et une oliveraie sacrée poussera dans votre cité. Les oliviers vous donnera des olives les plus succulentes. Donc là, on est vraiment en mode bac à sable facile. Quand on voit que tous les dieux sont pour nous, sont avec nous et nous favorisent, il n'y a pas trop à se plaindre. Je vais mettre un autre barrage ici pour éviter que ça aille trop loin. Et lui, on va voir s'il va jusque là. Donc là, maintenant, je vais attendre que la nourriture elle arrive. Parce qu'on est un petit peu dans la misère avec la nourriture qu'on a. Tuc 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 tuc, pas de problème. Ah, mais vous voyez, j'ai juste un souci. Ouais, voilà, c'était ça. Jeu pitique, c'est quoi qu'il faut? C'est des acteurs et on en a pas. On n'a que des philosophes pour l'instant. Niveau nourriture, il est très bas. J'espère que les 3 qui sont là vont aider. Et vu qu'on est en décalé, on va en faire directement 2 autres. Ça va permettre un certain alignement de la nourriture. Voilà. Donc toi, tu alimentes bien les entrepôts, c'est pas un problème. Toi, tu vas venir, tu auras de l'eau et du machin. On va y faire monter la partie. Donc là, c'est bon, on est... Ah, ou sinon, c'est au même... Ah, c'est au mois de juillet. Ah, c'est au même moment, gros. Ok, j'ai l'impression que ça doit être au même moment parce que là t'as pas dû produire grand chose, d'accord. Donc ça a l'air d'être par saison qu'on récolte. J'avais un petit peu oublié. Là c'est lui qui quitte bien la carte, donc on pourrait même faire directement des postes de commerce s'il faut. On verra en tout cas. Là ce qu'on fait, c'est qu'on va vendre du bois, c'est ça qui est bien. J'espère que la nourriture va durer un peu plus longtemps que celle qu'on avait auparavant. Ouais. Ça a l'air de tenir plutôt point mal. Ouais, ils ont quand même encore de la nourriture ici. Et là aussi, ils ont la même chose. Il nous en reste 10 unités à première vue. Donc, je sais pas comment ça se compte. Mais pas de problème. Qu'est-ce qu'il va nous falloir maintenant? Travailler la partie culture. Voilà, la partie culture, après avoir fait la philosophie, on va travailler un peu le théâtre. Est-ce que le théâtre, on travaille ici? Parce que là, ils vont nous demander d'augmenter la qualité. Célébrez-moi et donc là, c'est Aphrodite qui revient, bien évidemment. L'enceinte de la cité. On va mettre ça, on va faire quelques petits embellissements
boulevard, ça va être ici. J'aurais bien voulu faire des routes un peu améliorées, mais à première vue, on ne peut pas. Là, il nous dit que le cachet est un peu gâché. Lui, l'agora, il va me casser les pieds déjà. Donc en fait, j'ai l'impression que pour résoudre le problème, donc, on va décliner, sinon on va en avoir trop. Plutôt là que je voulais le mettre, on va sortir en même façon. Voilà, comme ça, t'es obligé de descendre. Ça va alimenter les deux. Donc eux, les services vont bien aller jusqu'ici, ne pas aller plus loin, mais la nourriture, normalement, va bien être cherchée plus loin. Et on va résoudre ces petits problèmes-là. Parce qu'il manque du cachet, donc on va de toute façon essayer de faire un effet symétrique. Autant faire ce peu. Je vais voir si elle n'a pas de laine. Allez hop, maintenant on va attaquer la nouvelle production de nourriture. Enfin, pas de nourriture, mais c'est ici. On va attaquer ça là. J'ai envie de vous dire ouais. Un petit truc qui va bien. Alors là, la particularité dans ce jeu-là, c'est que c'est nous qui déterminons le nombre de d'animaux qu'on met. Voilà, donc on a droit à 7-8 chèvres par bergerie. Donc là, il y a donc pour faire la chasse et la pêche. Les gens continuent d'influer dans notre cité et notre population a atteint pour la première fois les 1000 personnes. Vous pouvez célébrer cette réussite en construisant un monument commémoratif. Premier monument commémoratif pour la population. Je sais pas s'il y reste indéfiniment. Très cher immortel, j'ai une quête à vous confier. Si vous voulez devenir un jour le chef victorieux, la toison d'or doit être ramenée ici. Allez trouver Tessé et demandez-lui de ramener la toison, afin que moi, Zeus, je lève cette malédiction. Au suprême Cyril, j'aime bien qu'on me parle comme ça quand même, hein. N'hésitez pas à me parler comme ça dans les commentaires, hein. Je suis preneur. Pour que la toison d'or soit restituée, vous pouvez attirer l'attention de Tessé, ce grand héros, et le faire venir dans votre cité en construisant le temple en son honneur. Donc ça sera à faire. La seule difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes à faire avec ça. Donc je vais le positionner là et voir ce qu'est-ce qui est nécessaire. Donc il faut faire le palais, il faut le protéger de murs, donc c'est pour ça que je l'ai un peu décollé. C'est qu'il faut le protéger de murs et on va essayer de le faire. Ces situations vont bientôt commencer. Bon, on a pour l'instant personne qui fait du sport. Et là, il va falloir la laine, ça viendra après. Non, non. Bonjour, célébrez-moi et c'est là où ça va être un petit peu tordu. Alors ça, je me suis entraîné avant pour le faire, hein, bien sûr. Ah ben, je me suis tellement entraîné que ça passe pas. Ah ben, donc, on va le mettre. Le corps, il va être... très très simple, c'est pas grave. On va pouvoir y mettre le temple ici et on va donc pouvoir mettre les murs derrière. Est-ce qu'il est protégé? Oui, il faudra des blocs de marbre. On va essayer de commencer à en chercher. Il faut construire le palais proche du le temple proche du palais et un bon cachet autour du palais. Donc ça, on va le travailler directement. On va mettre le palais à côté. Voilà, là on va satisfaire un deuxième truc. Et il faut augmenter la qualité autour. On a des sous, hein. Donc j'en profite un petit peu. Cachet limité. Oh, que ça va être galère ça aussi. Un peu de cachet. Voilà.
remettre un grand bassin à côté. Quelques petites colonnes. Bon, on va voir si on arrive à faire monter ça, mais difficilement, j'ai l'impression. Protéger un peu de cachet, un bon cachet autour, donc ouais, il va falloir faire vraiment beaucoup. Un bon cachet, c'est parfait. Maintenant, il va falloir des blocs de marbre, et le souci, c'est que les blocs de marbre, il faut les chercher à 3 km. Et les blocs de marbre, on va les chercher nous-mêmes, donc. Ce qui est bien, c'est que les moutons, ils sont bien dépecés, ça, c'est génial. Regardez, hop, il est blanc, hop, il est rose. Génial. Il m'en faut peu pour être content, et ça, ça me fait sourire. Mille de pop toujours. Donc là, il nous fallait quoi? Besoin d'eau à proximité. Ça, c'est pas forcément bien géré pour moi. Parce que l'eau normalement devrait passer ici sans problème. Hein. Ah, ça, c'est de la laine qu'il faut. Ok. On va l'accepter parce que là, on va en être bientôt dans le besoin. Et on va chercher des blocs de marbre directement. On sait qu'on va en avoir besoin directement des héros, parce qu'on va être vite embêté potentiellement par... Je pense que c'est ça qu'il va me falloir. On va être embêté peut-être avec des dieux qui vont venir nous agresser, ou des divinités, pas des divinités, des créatures un peu méchantes, quoi. Il n'y a pas assez de nourriture. Comment oses-tu dire ça, qu'il n'y a pas assez de nourriture? Ça de l'autre côté. À un moment donné, là, c'est ce fichtre de moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez travailler, me chercher du marbre. Donc, le marbre, il est très bas. Je sais pas si vous allez venir. Voilà, toi, t'es déjà en train de creuser. J'ai l'impression que quelqu'un a extrait tout ce qu'il y avait dans ça mon estomac, laissant faire, un... Mais bonjour, cher âme. Toujours pareil. Ça va être désagréable, ces petits pop-up qui vont apparaître au fur et à mesure. Le but, c'est d'avoir ça et d'avoir ça. Comme ça, il va venir d'accès à une route. Rendre la toison d'or à la graisse. Ok. Est-ce que la route, elle est considérée comme y être là? Parce que lui, il a accès à une route. On va imaginer que oui, alors. On va imaginer que oui. Et toi, il te faut quoi? Il te faut de la laine. Ah, j'ai oublié de faire l'agora qui va bien. Ça, c'est l'histoire de l'agora. Je vais être perturbé. Parce que je suis pas habitué. Donc, il faut bien faire un marchand de laine juste à côté. Voilà. Donc, eux, ils vont chercher toute la laine qui est ici et la redistribuer. De manière tout à fait classique. Vous êtes habitué, même. Là, ça va être... Le début des jeux ismiques. Les sages de notre cité se rendront bientôt à Corinthe pour participer aux jeux ismiques. Ouais, c'est ça. Organisé en honneur du grand Poséidon. Honneur et prestige et une couronne séchée de céleri sauvage. Ouais, de céleri sauvage, pardon. Je croyais que c'était un accent. Mais oui, c'est de céleri sauvage. Seront pour le vainqueur. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de... Le machin, donc on ne devrait pas avoir grand chose. Là, la laine va être distribuée potentiellement bientôt, ça va faire du bien. Là, on va pouvoir supprimer tous les messages, on les a tous lus, c'est bien. Là, on va avoir normalement beaucoup de nourriture et on va commencer à faire venir des blocs de marbre. Ça, c'est bien aussi, je veux voir. Si on en a beaucoup, ouais, là, on va commencer à en stocker, c'est bien. La nourriture, on va être un peu plus à l'aise. Attention, toi, cette laine est pour l'agora. On est d'accord. Maintenant, on va faire la production qui va s'enchaîner, qui va être l'olive. Alors... Si je me trompe pas, le métairie, en fait, il a la possibilité de faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Soit... non, là, j'ai l'impression que j'ai pris des... C'est ça qui... Bah,
ont remporté le jeu ismique qui aborde maintenant fièrement leur couronne séchée de céleri sauvage. Célébrer leur victoire en construisant un monument commémoratif en leur honneur. La sagesse de nos philosophes ainsi que la bonne réputation de notre société sont désormais connues dans la Grèce. Dans toute la Grèce. Ça, c'est bien, ça. Ah, attendez, on va juste plutôt faire un truc. Ça va faire un petit peu comme dans Anno 1800 où on va essayer de rattacher au truc le machin, là, comme ça. Et après, on pourra faire le pressoir. Donc là, normalement, j'ai un deuxième bâtiment qui va être disponible. Ouais, pareil. Je l'ai fait pas maintenant, je l'ai fait plus tard. Là, ici, nous sommes à besoin d'accès à une activité culturelle. Et ça, on verra la prochaine fois. En tout cas, là, on va se faire plaisir sur ce jeu-là. J'espère que vous, ça vous hype, parce que moi, j'adore ce jeu maintenant. J'ai pas joué beaucoup, mais je sens qu'on va se faire un gros plaisir, un gros kiff là-dessus. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour pas rater la suite. Il y a d'autres séries aussi qui sont intéressantes sur la chaîne. N'hésitez pas à me faire des suggestions, mettre des propositions, etc., etc. Et si vous avez des infos sur la sortie du jeu, Pharaon New Area, je suis preneur en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.